Salut tout le monde, les 73-51, 14 Bravo Charlie 33-01, Rémi d'Andy 33 sur l'Est Gironde en mobile. Alors avant d'allumer le poste, petite news, le Québec commence à repasser à nouveau par intermittence sur le nord de la France là pour commencer. Ben, comme c'est du copier-coller à l'année dernière, hein, au niveau date je sais plus, mais bon bref. Le 19, 9 Bravo Charlie 555 a commencé déjà à voir des stations du nord de la France. Là, hier, on est quoi là? On est le 30. Oui, hier le 29, il a eu à nouveau le nord de la France qui passait de son côté. Ouais, c'est bon ça. Ouais. On va pouvoir, de toute façon, là on s'y attendait. Vu qu'on commence à entendre à nouveau les Américains en AM, sur les canaux homologués. Donc là, forcément, en suivant, mais c'est un peu rapide, là. Je serais pas étonné qu'il y ait un trou avant que ça remonte à nouveau vers le Québec. C'est à voir. Allez, on allume le poste. Test de connexion. Validé. Alors un copain m'a montré une autre astuce, c'est comment avoir le mode VFO dessus. Alors déjà, il y a un truc qui est super, c'est là dans l'état actuel, double appui sur la touche F, je tombe direct sur les zéros. Donc en mobile, c'est génial. À nouveau double appui dessus, je retombe sur intermédiaire 5. Et là, span setting. Là, je me suis mis directement dessus. J'éteins. Tac, voilà, un coup de pédale de micro pour sortir de là. Et là, j'ai sélectionné déjà mon chiffre. Comme ça, les stations qui se mettent en terminaison 7, par exemple, parce qu'il y en a. Je peux y aller tout simplement. Mais bon, c'est quand même moins courant d'en trouver en terminaison 7 hein, qu'autre chose. Hein. Qu'en terminaison 0 et 5, je veux dire. Ah oui, voilà. Je suis en train de réfléchir. Et, donc là, je fais clignoter le chiffre que je veux faire bouger. Et voilà. Tac. Ah bon, terminaison 5, terminaison 0, terminaison 7, puisqu'il y en a. Pareil, il m'a montré une autre astuce en utilisant les mémoires. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Il suffit de faire une programmation sur suivant la terminaison sur chacune des mémoires. Après, il suffit de basculer dessus. Je ne saurais pas. C'est pas encore. On va dire que l'utilisation des mémoires mais ne m'est pas encore rendu au cerveau. Achille trois coups. Déjà, ce que j'ai fait, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je fais Ça, c'est un bon signe. Donc voilà. Au cas où je perdrais l'info, je me suis mis un petit papier dans la voiture. Oh, c'est bon ça. Ah oui, je me suis pris un carton. Non, un carton, un vrai. Une boîte. Donc j'ai découpé le couvercle. Voilà. Là on voit mieux là. Ah oui. Okay,
Yes. Ah oui. L'écho. Alors j'ai fait mes réglages en m'écoutant sur le web SDR. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le filtre qui est dessus, qu'on enclenche soi-même, chacun de son côté, hachi, me bouffait un peu la qualité du réglage que je voulais avoir. Donc ce matin, j'ai refait ça, et je suis passé d'un réglage de 15 à 4. Ouais, quand même. Là, on l'a un petit peu, mais bon... j'ai fait un test en BLU. Oui, je sais, pour les puristes, on n'utilise pas l'écho en BLU. Mais qui ne teste pas ne voit pas. Et là, pareil, j'ai profité que ce matin, il n'y avait personne. Je me suis mis sur un canal vide, 19 alpha. Et j'ai écouté un peu, même en position 1, sur ce poste, l'écho est encore trop fort. Ça, c'est bon, ça. Voilà ce que c'est que le folklore sur la CB. Là, il y a de l'ambiance. Attention les stations fréquences pour Dindy 33 qui lance appel en mobile. Depuis le sud-ouest France, département de la Gironde, du côté de Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille. À 73 ou USA. Attention Nounours en guimauve et chocolat pour Dindy 33 qui t'appelle. Attention Starkey pour Dindy 33 qui t'appelle. Attention Barracuda 56. Attention la belette. Attention Dracar pour Dindy 33 qui vous appelle. Ouh là là, t'as un appel du monde. Hachi 3 coups, les 73-51. Ça, c'est ce qu'on appelle lancer l'hameçon et voir qui vient accrocher au bout. Ah ouais, tout à fait, ouais, je vois ça. Les 73-51, comment vas-tu? Tu profites de beau temps ou tu restes à l'ombre? Eh bien, on va profiter de la dernière journée de vacances. Ouais, si on peut dire ça, voilà, tranquillou avant la reprise. Ah, t'es en vacances, c'est pour ça que je t'entendais pas en fréquence, ou peu. C'est vrai que en ce moment, j'ai pas mal bossé en journée. J'étais dans les environs de Pomerol, par là-bas. Là, je viens de faire la deux nuits, là, sur les environs de Saint-Émilion. Et là, maintenant, c'est... je vais attaquer le week-end de repos. Puis un week-end, c'est fait pour se reposer. Pour ensuite attaquer, j'ai quoi, deux semaines de vacances qui vont être plus fatigantes comme chaque année que d'aller au boulot. Rémi, passe le 17 parce qu'il y a du monde un petit peu là sur le 185. Par moment, c'est difficile. Passe sur le 17 deux minutes. Ok, ouais, j'essaie les USA. Le 17, c'est parti. Ok, t'es là? Ah, tu m'étonnes. Au fait, je viens de changer de poste. Qu'est-ce que ça donne là, de ton côté là? Est-ce que tu peux me dire un petit peu ça, quoi? Alors là, j'ai revendu le Lincoln 2 Plus que j'avais dans le push pour prendre à la place le président George II. Et il est bourré de trucs, de réglages, de machins. Dans les menus, il y a bien 23 réglages différents. Il y a au niveau filtre, il y en a bien 5. Le NB à NL, évidemment. Il y a en plus le HIQT. Il y a le NRC qui joue aussi bien émission-réception, plus un autre, ZNG, oh je sais plus, plus un autre filtre micro. Enfin bon, bref, il est bardé de filtres. Et là, bon, je continue à faire mes petits tests, à apprivoiser la bestiole, avant de partir en vacances, là, d'ici quelques jours, sur le Pas-de-Calais. Ah, bientôt tu repars là-haut, ouais.
Mais Vincent me l'avait dit que tu avais changé de poste, et en plus, ouais, après, je l'ai vu sur la page que, ouais, que tu avais changé. Alors, moi, le problème, pour te dire vraiment, si je t'entends mieux qu'avant, c'était, ouais, là, pour faire des tests, ça va être un peu. Ouais, ça va être un peu. Bizarre parce que bon, la propagande, elle est plus ou moins. Ah, c'est ça, oui. Il y a vachement de monde derrière, c'est-à-dire que la fréquence n'est pas propre du tout, du tout. Mais par contre, je trouve que niveau modulation, tu passes moins fort. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu es avec le micro d'origine toujours ou quoi que ce soit, mais je trouve que je t'entendais mieux, en fait. Un petit peu plus fort avec le Lincoln qu'avec celui-là. Après, voilà, quand je te dis faire des tests. Ouais, non, mais c'est sûr. Et puis là, voilà, je viens de voir que j'avais un filtre au niveau du micro qui n'était pas enclenché. Donc, ça va pouvoir, dans la foulée, te donner un petit peu un autre aperçu. Alors, c'est quoi, c'est NG News. Non, je sais plus. Je sais plus le nom. J'ai pas de nom. Bon, peu importe, on s'en fout. Là, j'ai tous les filtres de mie. Oui, oui, non, mais là, c'est sûr. Et puis, d'habitude, je suis plutôt du côté de la route de Saint-Émilion quand on s'attrape. Donc, déjà, ça me rapproche un peu. Là, je suis sur la colline de Saint-Magne-de-Castillon, en plein milieu des vignes. Donc là, déjà, au niveau distance, je m'éloigne un petit peu par rapport à ton QR1. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, quand tu pars de chez toi ou quoi que ce soit, c'est vrai que, de toute manière, c'est toujours... Informatif. Oui, oui, oui. Je me trompe pas, t'es bien du côté de Coutras, hein, c'est bien ça. Ben, moi, je suis sur Montpont. Montpont, n'importe quoi. Montpont. Non, je m'en doutais. Je savais que j'allais la faire la boulette. Ah, je suis trois coups. J'en étais sûr que j'allais la faire la boulette. Oui, donc là, oui, par rapport à d'habitude, je me suis un peu éloigné là. Oh, pas de grand chose, mais bon, et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit derrière. Il y a la propagande américaine là qui vient nous étouffer un petit peu. Donc les conditions sont pas du tout les mêmes que d'habitude à ce niveau-là. Il aurait fallu que j'aie l'autre poste en parallèle de façon à jongler dans la foulée de l'un sur l'autre. Mais le Lincoln de plus, lui, est déjà parti. Il doit être de retour. Il doit être parti sur le nord de France par là-bas, de ce côté-là, quoi. C'est, t'as dû l'avoir en fréquence là pendant les vacances. Le nounours en guimauve au chocolat. Voilà, c'est lui qui me l'a racheté le poste. Ah d'accord, c'est David qui te l'a pris. Ah ok. Eh oui. D'où ce visu donc sur Gardonne. Toi, t'as tout suivi. Achi, exactement, c'est bien ça. Ouais, voilà. Ben c'est grâce à lui que j'ai pu acheter le Georges II d'ailleurs. Hein. Car, on n'a pas l'argent qui pousse dans dessous des sabots d'un cheval, ni qui sort du chapeau. Donc, c'est bien parce que j'ai pu vendre comme ça facilement le Lincoln 2 Plus que j'ai pu acheter le Georges 2. Ouais, tout à fait. Ouais. Ben, c'est ce que j'en ai dit, du moins. Voilà. Ah, si, parce qu'il avait posté, ben, de toute manière, ouais, t'as dû l'avoir, hein, voilà. La vidéo et tout, donc oui, vu que tu me dis que c'est David qui t'a racheté, donc ouais, bon ben Picard est parti dans le chenon, donc bon, on verra la prochaine propagation française, voilà, si on en a une prochainement, parce que là en ce moment c'est pas top du tout, on verra si on entend le père David, mais avec ton poste éventuellement. Ah ben oui, ah, mais disons que là, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est particulier au niveau bruit, hein. C'est puisque là il y a tellement de bruit derrière que tu es le premier à me dire que niveau radio c'est moins fort. C'est voilà.
Mais ça, ouais, je m'inquiète de quoi que ce soit. Et puis là, je vois là au niveau du modulomètre du poste que ça attaque à fond. Donc là, même pas, je suis inquiet de ce côté-là. C'est vraiment le bruit de propague là qui est derrière. Et côté à propos de propague, oui, ça sent bon tout ça, puisque alors le Québec, justement là du côté du nord de la France, comme l'année dernière, comme l'année d'avant, commence à repasser à nouveau, puisqu'il y a Gilles 9 Bravo Charlie 555 qui le 19 a attrapé le nord de France, et là hier ça a recommencé à nouveau. Donc voilà, c'est par intermittence, puis bon, ça va faire crescendo après. De toute façon, ça, je m'y attendais. Hein. Les Américains arrivent, le Québec est pas loin et ça n'a pas raté. Donc, il reste plus qu'à attendre que ça veuille bien descendre de notre côté, Hachi. Ouais, tout à fait. Dans la prochaine semaine, arrive Vincent du temps cuisseau, tranquillement, voilà, et puis... Ouais, c'est les deux boutons dessus. Écoute, la Moselle qui est venue taper à la porte, hein, ça a duré 1 minute 30, hein, voilà. Et puis de QTH, et puis c'est tout, quoi. Et après, c'est retombé, voilà, plus rien. Donc, ouais. Mais écoute, on verra bien. Bon, c'est vrai que, ouais, faut être dans le bon moment. Bon, c'est ça. Faut être là, et puis faire la part des choses. C'est pas évident. Et là, tu es arrêté ou tu roules encore, là? Non, je me suis arrêté, je me suis mis sur mon point haut. Au fait, j'espère que ça ne te dérange pas, là je suis en train de faire une vidéo test, hein, comme d'habitude. Non, là je suis arrêté en plein chemin, en plein croisement de vignes, sur la colline, sur le où je suis en train de regarder dans ta direction, donc diagonale arrière droite, ou carrément, je dois t'attraper sur la diagonale arrière droite du push. Ouais, ça doit être ça. Et là, je suis sur l'antenne du push, la Wilson 5000. J'étais parti au départ pour attraper mon porte-vélo, mes tubes, plus ma bidouille dessus, pour mettre la Président Himalaya à 6 mètres de haut. Je me suis dit, putain, il fait un peu chaud aujourd'hui pour bouger. Ouais. Et du coup, je suis à nouveau sur l'antenne du push. D'accord, ouais. Bon, parce que par moment, c'est délicat, il y a du monde quand même derrière. C'est pas bien froid, mais c'est assez gênant. Voilà, c'est ce que je disais à Vincent tout à l'heure. C'est le signal manque pas spécialement, mais ça suffit largement pour qu'il y ait du courant sur la fréquence. Ouais, ben voilà, et puis après, c'est une question de filtrage aussi de ce côté, de bruit. Parce que là, moi ici, comme tu verras dans la vidéo, ça passe super bien. Bon, maintenant, tout est enclenché là sur le poste, je pense. ça passe super bien de mon côté. Hein. Ouais, ben ouais, c'est ce que j'y avais à 20 ans. Allez, vous, mon poste, vous avez 36 000 cycles. Bon, mais moi, par contre, à part là, voilà, avec mon vieux tagazou, ça ne fait pas grand-chose, mais bon, c'est pas grave, question d'habitude. D'ailleurs, je suis en train d'ouvrir les portières, là, à fond, parce que j'ai un peu chaud, ouais. La prochaine voiture, ça sera avec l'option clim. J'ai pas voulu la prendre, pourquoi? Parce que je suis un con. Ça c'est fait. Mais ouais, ça me servirait bien là, la clim. Mais alors, pour te faire un petit peu le point au niveau du poste. Alors, sur le filtrage, alors c'est vrai, les postes d'ancienne génération et tout ça n'ont pas la qualité de filtrage des parasites d'aujourd'hui, et c'est bien normal car les parasites d'aujourd'hui n'existaient pas à l'époque. Mais quand tu enclenches les filtres, ça filtre de suite, c'est y a pas de chichi, quoi, ça filtre d'entrée, quoi. C'est voilà, tu te rends compte que ça filtre quand tu les sors. Alors que par contre les postes de nouvelle génération, au niveau des filtres, tout ça c'est géré maintenant par et même tout le calage en fréquence, tout le truc est géré maintenant par des logiciels embarqués dans différents modules. Et au niveau des filtres, c'est pareil, puisque dès que je relâche le micro, il y a un petit passage de, on va dire, une seconde ou deux fort, puis paf, tu entends le filtre étrangler le QRM. Et c'est un coup à prendre l'habitude, quoi. De toute façon, j'ai pas le choix. Et c'est vrai que c'est un petit peu perturbant, quoi. C'est un peu particulier.
Mais bon, sur celui-ci, par rapport au précédent outre-poste sortie mobile, il y a quand même une amélioration qui est faite. Oui, tout à fait. Mais c'est un projet, c'est bien. C'est bien. Bon, monsieur Ponsard, bon, après, voilà, moi, c'est question d'habitude. Hein. Voilà, c'est ça le vintage. Non, mais c'est vrai, 56. Ça fonctionne bien. Et c'est vrai que tu vois vite la différence, c'est clair. Il n'y a pas à tortiller, ça fonctionne bien. Moi, non, mais voilà. C'est vrai que moi, je trouve que c'est bizarre, moi. Hein. La radio est. Ouais, je sais pas. À combien tu es d'aptitude, à peu près? Alors, Sainte-Colombe étant à 90 mètres, je dois être autour de ça. C'est. Je suis en train de regarder. Ben non, il y a les vignes. Je suis en train d'évaluer un petit peu comme ça. Oui, 90 mètres. Hein. Par contre, quand je suis au QRA, donc en fixe, là, je suis à 50 mètres. Oui, c'est ça. C'est ça, puisque Denis, qui est sur le 24, hein. Denis, Billy 24, hein. Une fois, il était venu chez moi, là, au QRA, il avait mesuré un petit peu, ouais, c'était ça, 50 mètres. Donc là, ouais, je dois être autour de 90 mètres. Ok, là j'ai retiré un filtre, donc là je suis plus que sur le filtre NRC. J'ai retiré un filtre, donc là tu vois ce que ça donne. Je vais en retirer encore un autre au niveau filtrage de micro. Voilà, là voilà. Donc pour le micro lui-même, j'ai plus aucun filtre. C'est en réception, tout est encore enclenché, ça il n'y a pas de problème. Mais en émission, là c'est micro brut de décoffrage. moi tu vois, ça empire là. Ça empire, il y a du monde qui arrive derrière. Donc tu passes dessus, mais c'est limite. Hein. Ça bouge dans tous les sens. Quand même là. Ah oui, quand même. Et ben, comme d'habitude, j'ai l'Alphalima qui est en marche derrière. Bon, je ne pousserai pas plus. Hein. D'accord. C'est bien le bruit qu'il y a derrière qui arrive plein pot. Hein. Bon, tu verras, moi là c'est pareil. Hein, de mon côté, bah, tu passes bien. Tu passes bien, mais il y a beaucoup de bruit. Hein. Ah oui, non, c'est pour ça. Moi de mon côté, bon, tu m'arrives avec un signal de 6 là. Eux, ils arrivent avec un signal de 5 déjà. Alors il suffit qu'il y en ait un qui passe plus fort que l'autre. Avec toi, c'est limite, hein, franchement. Mais ça fait le boulot. Ouais, tu verras aussi là dans ma vidéo, ça fait le boulot aussi. Hein. Ça le fait très bien même. Et donc là, de mon côté, je suis 56. Tu vois, là, comme quoi, ça fait vraiment bien le boulot là ici dans le push. C'est du 56, moi ici. Hein. D'accord. Mais c'est variable. Moi, c'est vrai que je t'ai mieux entendu. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je t'ai mieux entendu maintenant. Hachi, ben oui, c'était plus silencieux aussi derrière. Et qu'est-ce que je voulais dire comme connerie? Je sais plus. Ah ben merde, tu l'as bouffé quoi. Je sais plus. Je sais plus. Ça m'a échappé quoi. Ouais, ça t'en revient, Martin. Donc, dans combien de temps tu pars alors? T'as encore du pro à faire, il y a du temps là, c'est ça? Alors, au niveau pro, ben là c'est fini, hein, ça y est. Hein. Ce week-end je suis en repos, sauf cas exceptionnel si on m'appelle ce soir ou demain soir. Mais autrement, là je suis en repos. Et après, à partir de dimanche minuit, pour 2 semaines, je suis en vacances. Alors quel jour on part? Je sais pas. Faut que je demande à l'XYL. Elle me l'a dit 10 fois. Hein. Mais bon, j'ai zappé 10 fois. D'accord, ouais, mais ça fait du bien les vacances. Et puis bon, tu vas moins croiser de demandes, tu vas pouvoir mieux profiter, je pense. Ouais, bah, je vais me faire plaisir, c'est sûr. Hein. Je vais voir au fil de la route, hein, comme à chaque fois tous les ans, là, comment ça, ce que ça donne et tout ça.
À chaque fois, j'arrivais à attraper du monde. Quoique l'année dernière, je l'ai moins attrapé que l'année précédente. Peut-être que cette année-là, ça va être différent. C'est. Ouais. Mais je compte bien en profiter, ça c'est clair. Bon, de toute façon, on va surtout être en famille là-bas sur le Pas-de-Calais. Car à côté de Calais, on a le fils qui est là-bas avec sa petite famille et tout ça. Bon, je sais que l'XYL va falloir qu'on passe la majorité du temps avec eux. Ah, ce qui est bien normal, quoi. Oui, tout à fait, quand même. Ben oui, c'est tout à fait normal. Non, mais bon, après, niveau W, ouais, niveau temps, je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, après, si c'est des températures comme ça, ça va être supportable. Ouais, ben de toute façon, j'ai envie de dire, quand on va là-haut, il fait toujours plus frais, mais c'est pas toujours vrai. Hein. On a vu cet été des moments où il faisait plus chaud là-haut, sur le Pas-de-Calais, que nous ici sur la Gironde. Là, t'es bleu, quoi. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, non, on peut prévoir la doudoune. Si, bon, ça marche. Bon, mais Lémi, c'est pas que je m'ennuie, je dois aller faire une bricole. Je te remercie bien de ton passage, merci bien de ce petit coucou, voilà. Les amitiés, la bonne fin d'après-midi, tout ce qui va avec, le bon week-end, et puis si on se rentend pas, de bonnes vacances. Merci, et merci aussi d'avoir répondu. Comme ça, ça m'a permis de faire fonctionner le poste, d'apprendre, de continuer à l'apprivoiser. Bon, niveau report, la propagella, et là, on a M qui fausse la donne au niveau local. Bon, ça, c'est pas grave. Et avec le Lincoln, comme là, je suis avec le micro d'origine. Hein. Et vu c'est Silicon Radio, Denis, qui me l'a vendu, le poste. Hein. Lui, il a fait des tests aussi de son côté. Il a regardé ça sur son matériel et tout ça. Je sais que celui-ci, normalement, percute plus que le Lincoln 2. Mais bon, après, c'est les conditions de propag qui sont différentes, qui faut ça donne. Ok, merci beaucoup. Les bonnes 113-51. Je vais aller voir un petit peu. Je vais d'abord descendre voir là sur le canal 6. Écoutez, profitez un petit peu du folklore Sibi, folklore américain. Et je vais monter en sup, voir si j'arrive des fois à entendre un petit peu le Québec, mais là j'y crois pas trop. En ce moment, le Québec, c'est surtout sur le nord de France que ça passe. Le nord de la France, à pas confondre avec le département. Alors les bonnes 73-51, merci, qu'est-ce que je suis bavard. Je relâche le micro. A plus. Ah mais faut être bavard, on a un micro, c'était pour parler justement. Non, non, au contraire, si, ça marche, merci à toi, à bientôt, bye bye. Merci, bye bye, hachis trois coups. La caméra bouge un petit peu. Ouais, ça c'est les vibrations du moteur. Le pied que l'on voit là, ici, là, on le devine à gauche. Bon, il monte à l'équerre avec une jambe de force là qui vient en diagonale. Mais il est en appui avec un petit tampon de caoutchouc contre la console. Et donc c'est directement les vibrations de la voiture que là ça attrape. Alors, ici, et quoi que, il est quelle heure ? 15h27, 25, allez, on arrondit. Ça fait 9h25 au Québec. Peut-être que c'est un canal à surveiller, ça. Il y a des habitués, là, du côté de Montréal, par là, qui se mettent ici. Attention, le Québec-Canada. Attention, le Québec-Canada pour le sud-ouest France, le département de la Gironde, l'est de la Gironde, qui l'en s'appelle en mobile.
Attention le Québec-Canada. Attention le Québec-Canada pour Dundee 33, 14, bravo Charlie 33-01 Rémi qui lance appel depuis les environs de Saint-Émilion, question la bataille sur l'est de la Gironde, sud-ouest France. Reprends ton souffle. J'étais rendu à bout de souffle. Bon, je vais pas insister plus. Bon, attention les stations Kilomike. Attention les stations Kilomike pour 14 Bravo Charlie 33-01 Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, les environs de Saint-Émilion. Waouh! L'écho en BLU, faut l'enlever dessus. Il est trop fort pour la BLU. Même en position 1. CQO, CQO, CQDX. Appel en direction du Québec-Canada. Appel en direction du Québec-Canada pour 14 Bravo Charlie 33-01 Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France. CQO, CQO, CQDX, appel en direction du Québec-Canada, appel en direction du Québec-Canada pour Dundee 33 14, bravo Charlie 33-01 Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France. J'ai cru, je sais pas, faudra revenir un petit peu en arrière. S73 USA Canada for Dundee 23 bravo Charlie 0133. C'est l'inverse. Je l'ai fait à l'envers. CQO, CQO, CQDX. Appel de 14 bravo Charlie 23-01, sud-ouest France. Oh, que j'ai du mal. Bon, je crois que je vais arrêter les frais là. Ah. Le Canada passe? Ouais, ouais, ouais. Je suis comme un gamin là. CQO, CQO, CQDX, appel de 14, bravo Charlie, 33-01, opérateur Rémi, Dundee 33, lance appel en mobile, depuis le sud-ouest France, l'est du sud-ouest France, du côté de Saint-Émilion, question à la bataille. Un peu brouillon le garçon là. CQO, CQO, CQDX, appel de 14, bravo Charlie, 33-01, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde, en mobile, arrêté. CQO, CQO, CQDX, appel en direction du Québec-Canada. Appel en direction du Québec-Canada de 14 Bravo Charlie 33-01 qui propose un QSY sur le 27-625. 2-7-6-2-5.
CQ, CQ, CQDX, appel en direction du Québec-Canada de 14 Bravo Charlie 3301 opérateur Rémi qui lance appel en mobile arrêté depuis le sud-ouest de France du côté de Saint-Émilion. CQ, CQ, CQDX, appel en direction du Québec-Canada de 14 Bravo Charlie 3301 opérateur Rémi. Dandy 33 lance appel en mobile arrêté depuis les environs de Saint-Émilion sur le sud-ouest de France, département de la Gironde. Ce brouillon que je fais à chaque fois. 73, Rémi, bon, c'est pas le Québec-Canada, mais c'est pas loin de chez toi. Oui, les 73. Alors, justement, je lance appel de leur côté, car quand on descend sur le 27 385 LSB, on entend le Canada passer. Alors, je sais que 9 Bravo Charlie 555 a réussi à voir, là, ces derniers temps, là, à 2-3 reprises, le nord de la France. Donc là, je lance l'hameçon de leur côté. Hachi, 73 retourné. Les amis de 14 Delta Fox 33, opérateur Frédéric, on a déjà eu l'occasion de pas discuter ensemble, mais de converser mécaniquement, on va dire. Donc moi je me situe pas loin de chez toi, du côté de Pujol. Ah, ok, d'accord. Ok, Frédéric, eh bien je suis là en ce moment, je suis en push arrêté sur la colline de Saint-Magne-de-Castillon. Voilà, là au croisement de vignes. Ok, d'accord, bon, bah, c'est vraiment pas loin. Écoutez, si tu m'arrives avec un signal de 7 et une Super Radio 5, ça passe très très bien. Y a 54. Il n'y a pas actuel, il n'y a rien du tout, la voie est nette. Ok, d'accord, ben, c'est du 54 là de mon côté. Oui, faut monter là-haut là pour pas avoir de QRM là sur le coup. Car en bas ça arrive de partout, les USA arrivent de partout. Ça fait du bien de retrouver un petit peu de folklore là-dessus. Montrer qu'il y a du monde, qu'il y a quelque chose de vivant, quoi. Eh ben, c'est ça, c'est à ce moment, bon, la propane c'est pas terrible, ça pousse à 11 mètres. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Ça s'ennuie un peu. Moi, j'ai mis en stand-by, là, tout en bossant. Voilà, pour ma part. Ok, merci. Au fait, ça te dérange pas, j'espère. Là, je fais une vidéo en même temps de démonstration, là, comme d'habitude. Si ça te dérange, il n'y a pas de problème. Je couperai cette partie, hein. Non, il n'y a aucun souci. Je vais régulièrement mater tes vidéos. Hein. D'ailleurs, c'est très belle initiative. Voilà, voilà. Ok, ce qui me permet en même temps, ben là je sors d'un QSO là en AM, justement avec aussi une station locale du côté de Montpont, voilà. Et en même temps je teste là, mon nouveau poste que tu as dû certainement voir, le président Georges II, voilà. Et bon là-dessus, là j'ai tous les filtres d'enclencher et tout ça, là tout est mis en fonction. Comme ça tu pourras voir un petit peu la qualité radio, la qualité du filtrage. Bon, j'imagine qu'on va entendre dans la vidéo le bruit du moteur. Vu ce qui est en route là, dans le push, j'ai intérêt à garder le moteur en marche. Mais bon, j'ai les portières grandes ouvertes. Alors ça fait un petit peu de bruit ambiant qui arrive sur la caméra. Quoi. Ah ok, bah écoute, chez moi c'est nickel. J'ai pas de bruit de fond, j'ai pas de bruit du moteur. Mais pas ça. Ouais, mais c'est vrai que sur la vidéo, ça risque d'apparaître. Voilà, voilà. Bah moi, pour ma part, là, je suis actuellement avec le Yazoo FTDX10. Et puis, j'ai fait une petite antenne là, bricolée, que j'ai fait une petite dipole en V inversé pour le 10 mètres à l'origine. Et puis, en finale, bah, il passe très bien aussi sur le 11 mètres. Ah oui, ça marche bien. Et pour le poste, pareil, hein, c'est une bonne modulation, bien propre et tout. Bon, de mon côté, côté micro... bah sur le poste j'ai le NRC qui est mis, j'ai le NG qui est mis aussi, je sais plus, j'ai pas le nom en entier là sous les yeux. Bon, côté micro, voilà, c'est ça. Et côté écoute, bon, bah, NB, ANL, ok, bien connu, le HIQ qui est mis et NRC avec. Donc là ça étrangle les QRM de tous les côtés, HI. Non mais très bien, ça passe très bien, mais... Non mais moi au niveau micro je suis dans les lignes. Et là pareil. En puissance, je sais pas, je pense que je suis à 50 watts. Voilà, voilà. À côté de ça, bah, j'ai une petite Galaxy 7
Neptune Turbo là, que je voudrais essayer prochainement. J'ai reparti du placard. J'ai un petit souci avec le fréquence mètre parce qu'au bout d'un certain temps, l'affichage, ça tombe en fait. Donc il faut que je regarde ce petit souci là, mais je vais le rebrancher, là, je vais le connecter à mon petit dipôle pour voir qu'est-ce que ça donne à l'occasion. Bon, voilà, puis j'ai aussi ma petite Lincoln 2 que j'avais réservé pour la voiture, mais que j'ai pas encore utilisé. Voilà, pour mon installation. Bon, bah, écoute Rémi, ça fait plaisir de t'entendre, de pouvoir converser avec toi. Ça change de t'écouter sur le web. Voilà. Je vais te citer sous 73, bon, il faut que je retourne bosser un peu au pro. Et puis, j'allais lui proposer de tester le poste. Ok, bah j'allais justement te proposer si tu voulais là tester la base, là pendant qu'on y est, pour que tu aies. Parce que avoir un report de la part d'une station comme ça, ok, le report sera forcément par rapport à ce que au ressenti de la personne. Mais bon, on aurait pu faire ça dans la vidéo. Mais pas de problème, ce serait pour une autre fois. Les bonnes 73-51, merci de m'avoir répondu. Et bon après-midi, il est quelle heure? 15h40 pratiquement. Ok, bon après-midi. Bah écoute, oui, pourquoi pas. Bah écoute, si tu veux 5 minutes, je connecte le truc et puis on fait un essai tout de suite à ce moment-là. Ok, je fais une petite pause vidéo, je t'attends là. À tout de suite. Est-ce que t'es de retour? Oh, j'ai entendu un Roger Beep. Ouais, il y a un QSO, je sais pas, d'étranger, Brésil peut-être, qui s'est installé dessus. Vas-y, reviens là, voilà, j'ai redémarré là. Attends, faut que je remette un peu d'ombre sur la station. Voilà. Ok, vas-y, reviens pour voir. Écoute, est-ce que tu prends le soin là? Est-ce que ça marche? Ah oui. Oui, ça marche. Ah oui, je t'entends bien là. C'est oui. Quand derrière les stations là qui sont en QSO là qui viennent d'arriver s'arrêtent de parler, oui je t'entends bien. Il n'y a pas de problème. Et alors le clarifier, non, je ne l'ai pas touché par rapport à tout à l'heure. Vas-y, je laisse le clarifier au centre. Bon, le poste, lui, je sais comment il est au niveau calage. Bon, Denis Silicon Radio l'a contrôlé un petit peu. Il sait qu'il est bien calé et tout, ceci, cela. NOM du côté de Blaye ou Médoc, je ne sais plus, de ce côté-là. Dans une précédente vidéo, pareil, il me l'a testé comme ça à distance pour voir. Il est bien calé, donc là, eh bien, on va voir. Et là, je suis pile sur sur l'autre poste de tout à l'heure au niveau clarifieur. Donc je touche rien, comme ça on va voir un peu ce que ça donne. Bon bah écoute, c'est pas de la partie. J'essaie de voir, mais le problème c'est qu'il est trop bon, je pense, il a plus de l'air, et je me suis envie de mon chapel, je montre ma histoire, je vais faire le CD, dans une journée pour arriver sur un rêve, voilà, les gars. Donc du coup, si vous branchez le téléphone, le qui est à côté, donc je suis avec le Lincoln en fait. Donc, pareil, j'ai jamais utilisé, je sais pas ce que ça vaut. Voilà, tu me diras si le mode de direction, si c'est dit ou pas que le ISO, là, doit tourner par de Dame Sawatt. Alors, au niveau modulation, moi je trouve très bon. Hein. Bon, évidemment, le signal est moins fort. C'est un peu dommage avec la propag qu'il y a derrière. Mais je t'ai sorti dedans. Au niveau calage en fréquence, ouais, c'est un cheveu. Ça vaut pas le coup de bouger quoi que ce soit. Car pour le coup, ça serait que ça te fasse partir carrément au loin. Donc là, au niveau calage en fréquence, là, je serais toi, je toucherais même pas. C'est là dans le push, comme tu pourras le voir là sur la vidéo, il n'y a rien à rectifier, ou alors avec le risque que ça parte ailleurs. Et puis bon, là le poste c'est peut-être un petit peu froid aussi. Une fois monté en température, bah, ça sera carrément autre chose. Bon, là, le Lincoln 2, j'ai pas de soucis parce que, bon, c'est la
Voilà, donc dans la suite du test, là j'ai touché ce coup-ci au clarifieur, je dois être à 11h. 10h30, 11h, là sur le clarifieur. Donc tu vois, c'est vraiment, vraiment un cheveu. Là tu pourras le voir là sur la vidéo. C'est vraiment pas grand chose, hein. Ouais, 10h30, 11h, pas plus. Sur le clarifieur. Ok, merci pour le QSO et ces échanges d'essais, de ça, de trucs, enfin de ceci, cela. Merci beaucoup à toi, à la prochaine. Et comme d'habitude, je travaille au plus vite la vidéo. J'en ai une autre en attente, c'est-à-dire celle de Gilles, 9 Bravo Charlie 555, là, qui est sur le PC, qu'il faut que je travaille. En suivant, je travaillerai la mienne. Et tu pourras voir ce que ça donne. Donc, alors 15h49, c'est ça, oui. Voilà, bon, à partir de 15h45, par là, tu pourras voir un petit peu ce que ça donne au niveau des essais. Ok, ça va. Merci, bye bye. Ça, c'est cool. Alors, on m'a parlé d'un... Non, je vais pas bouger mon réglage. Je pensais... Zut, ça y est, j'ai oublié le nom. Spam setting. Je ferai d'autres tests plus tard. Ce passage aussi rapide comme ça sur les zéros, c'est excellent. Quoi. Ah, ces coups qu'on entend derrière, c'est là qu'on voit la différence entre les filtres d'autrefois et aujourd'hui le filtrage numérique, logiciel. Quoi. C'est là qu'on voit quand même la limite du filtrage de logiciel. Ah, d'accord. Ah si, il m'a dit un truc. Tac. Sors de là, voilà. Désolé. Ah ouais, tiens. Là, on perd. Avantageusement. Le bruit de passage au niveau filtre. Tiens donc. Eh oui, là je suis en mode VFO. Mais en roulant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, faut compter 5 pour tomber sur les 0. Tac, voilà. Et si c'est normal. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ouais. Mais en roulant, c'est moins évident. Au QRA, je comprends qu'on puisse qu'on passe en mode VFO. L'usage est beaucoup plus pratique et en plus de ça, voilà, le passage est direct. Tac, on voit la lettre changer avec. Là, le passage est direct, évidemment. Alors, pour l'instant, je ferme Mumuse plutôt comme ça. Désolé. Ah non, le Roger Bipi, je l'ai enlevé, je crois.
Ouais, je vais plutôt faire mes muscles comme ça pour l'instant. Ah oui, voilà. Je laisse le poste là-dessus. C'est-à-dire là. Ah ah ah! La division 14, le sud-ouest de France, le département du Lot-et-Garonne, écoute. Du coup, j'ai pas. La Moselle, il est parti où? Bon, c'est pas grave. Le département français commence à passer avec. C'est bon, ça. CQO, CQO, CQDX. Appel en direction du Québec-Canada. Appel de 14, bravo Charlie, 33-01 Rémi. Qui lance appel depuis le sud-ouest France, les environs de Saint-Émilion, sur le département de la Gironde. Oui, mon ami, c'est un plein. Wow, l'accent, il n'est pas très bon, là. Bien imité. Bernard. Et 73, Bernard. C'est... avec Gilles, 9, bravo Charlie, 555 et les copains. Là, j'ai décidé qu'on a vu la différence. Hachi, trois coups. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien. Je suis en train de présentement en train de rire d'autres trucs dans le chat. Oui, affirmatif, oui. Là, je suis, en plus, là, avec mon nouveau poste, là, je suis comme un gamin, sans déconner. Quoi. C'est, tu vois, là, je suis encore devant le sapin de Noël, en train de continuer à ouvrir, à découvrir mes nouveaux jouets. Ouais. J'adore. Et sérieux, pourquoi se prendre au sérieux quand on peut s'amuser comme ça, tout en faisant les choses... attends, alors, je suis en train d'essayer de comprendre ce que je suis en train de dire. Là, ça devient compliqué l'affaire. Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà, balancer comme ça, ça sera plus facile pour moi. Non, là, je suis en train de faire une vidéo. Alors, dans la précédente, hein, j'ai coupé le passage que tu m'as dit. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Tu peux me faire confiance à ce niveau-là. C'est enlevé. Et là, je suis en train de refaire une vidéo, justement. Tout à l'heure, au début, j'étais en AM. J'ai refait de nouveaux essais. Bon, avec la propague, bon, j'ai une station locale, mais bon, avec la propague américaine et tout ça qu'il y a derrière, bon, c'est, ça a faussé un petit peu la donne et tout ça. Bon, je m'amuse, je m'éclate, je m'en profite. Et dire que j'ai tout le matériel aussi d'installer au QRA en plus gros, et que je serai mieux à l'ombre, à me taper une petite bière en même temps par la même occasion. Mais non, là, je préfère être dans le push. Je m'en doutais bien, Rémi. Oui, ben, je te comprends, hein, autrement, pour tout prendre à la rigolade. Hein, moi, c'est ma philosophie de vie depuis très, très, très longtemps. Et je suis connu pour ça sur certaines QRG, là, sur certaines bandes où je vais me promener, pour être celui qui anime un peu la discussion. Puis je suis comme toi, je suis comme un bébé, moi aussi comme un enfant quand je rachète du matériel. Là, parce que ce poste-là, le ISO STDX10, là, je l'ai racheté il y a quoi? Il n'y a même pas une quinzaine de jours, là, maintenant. Bon, ben, je fais le tour, le détour, tout, je contrôle, je regarde, je branche l'écran extérieur, et patati patata, je m'amuse, ben, je passe le temps. Voilà, mais c'est comme ça qu'il faut prendre la vie, Rémi. Mais je pense que c'est comme ça que tu la prends, et puis moi, tu me connais un peu mieux, tu verras que c'est comme ça que je la prends. Hein. Voilà, tout à fait. Bien, je vais te laisser continuer à tes occupations. Je l'ai écouté, la vidéo, hein. J'étais là-bas, je l'ai regardé, oui, j'ai vu parfaitement. Hein. T'as bien fait, voilà, bon, comme ça, t'as bien fait. Voilà, et j'en dis pas plus là-dessus. Je vais donc te laisser continuer. Ne rôtis pas trop au soleil. J'espère que tu t'es amené de l'eau, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui encore, ça tape. Hein. Ici, dans ma région, là, dans mon secteur, on est monté presque à 32 encore à l'heure-ci. Hein. Donc, il fait chaud. Hein. Moi, je suis en pleine forêt. En plus, en magasin, la chaleur. Bon, ben voilà, c'est comme ça. On vivra avec. Voilà, je sais plus ce que je dis. Moi, je dis un peu n'importe quoi et tout. S'il y a des écouteurs qui nous écoutent, eh bien, écoutez, marrez-vous une bonne fois pour toutes. Le vieux, il devient gaga. Voilà, à toi, Rémi. Merci pour le retour des 73, la station que j'ai entendu là derrière en QRP, enfin un peu plus QRP.
14 Bravo Charlie 33 01 Rémi. Ouais, non, mais t'as raison, moi aussi c'est pareil, hein. Alors là, et pourquoi non? C'est la vue est trop courte, peut se compliquer la vie, et tu remarqueras que ceux qui se compliquent la vie n'arrêtent pas de pester les autres. C'est, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Alors que quand on voit les choses du bon côté, ben ça va de suite mieux, quoi. C'est clair, hein. Ah oui, oui, oui. Et ouais, justement, je tente le coup là. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, je radote. Ah, j'ai trois coups, c'est pas grave. La radio, c'est fait pour ça. Et le Québec commence à passer, hein, à nouveau là, de, là sur la 14. Hein. 9 Bravo Charlie 555 a déjà le 19 eu le nord de la France. Hier, il a eu pareil, toute la fallait une partie de la région nord de la France. Tout à l'heure, j'étais sur le 27 385 LSB. J'ai entendu le Canada passer. Ouais, c'est bien parti là. Mais bon, on va pas crier victoire trop vite. Hein. Ça, on sait très bien que là, ça, vu la période, ça va rechuter un petit peu. Ça va faire le yo-yo pour mieux revenir en force après. Et à nouveau pouvoir s'éclater avec le Québec, qui pour eux, la radio, ben, c'est toujours à la bonne franquette. Et ils ont raison, quoi. Pourquoi se prendre trop au sérieux là-dessus, alors que oui, 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 c'est fait pour s'éclater, hein, la radio. Il n'y a pas de souci, hein. C'est fait pour s'éclater. Hein. Tout à fait, je reprends tant que Alors, voilà, je marche sur personne. Oui, oui, bah, tu vois, je regardais sur mon log informatique, la dernière fois que j'ai fait le contact avec le Québec, et j'en avais pas fait depuis un petit moment, c'était le 9 août, là, c'était avec, tu connais peut-être Richard, hein, qui était au Canada, là-bas, donc. Oui. Oui, c'était Canada. Oui, oui. Je sais pas si c'était au Québec ou vraiment de l'autre côté. Et c'est 9 Charlie Kilo, 9 Charlie Kilo 023 Richard. Voilà, c'était ça. Oui, oui. Mais tu sais, les histoires de propagande en ce moment, c'est lié aux éruptions solaires, hein, tout simplement. Bon, ah bah, évidemment. Sur internet, hein, mais c'est lié aux éruptions solaires, et en ce moment il y a pas mal d'éruptions solaires qui dérèglent un peu les communications radio, et puis nous on fait de la communication radio ni plus ni moins, hein. Alors donc c'est ça qui nous dérègle, et sur toutes les bandes, hein, même sur les bandes rares, sur tout ça, t'as des passages dans la journée ou même pendant 2 ou 3 jours où t'as rien du tout, hein. C'est vraiment très difficile de faire un contact, hein. Alors que d'habitude on a des signaux à 9, 9, 30, hein, et ben t'arrives à plus rien, quoi. Voilà, enfin bref, pour la petite info comme ça au passage. Je te laisse, Rémi, t'en connais certainement autant que moi là-dessus. Je te souhaite bonne continuation, et puis à la prochaine avec plaisir. Oh, j'en connaîtrai jamais autant que toi. Ça, j'en suis sûr et certain, non. J'en connaîtrai jamais autant que toi. Non, non, je... je suis un petit joueur, moi. Tu sais, hein, je suis un petit civiste qui fait seulement en sorte de sur Internet, d'avoir plus de monde en fréquence. Voilà tout, hein. C'est, je suis rien d'autre que ça. Allez, je vais tenter un petit peu, il est 16h, ouais. Je vais me balader un petit peu à droite à gauche et aller me mettre au travail, car j'ai justement là, une autre vidéo à travailler, celle de 9 Bravo Charlie 555, à travailler avant la mienne. Donc là, pourtant c'est pas l'envie qui me manque de passer le restant de la journée là, la soirée avec. Parce que c'est pareil, hein, le soir, la nuit, il y a des passages du propag là, qui reviennent à nouveau. Donc c'est tout bon ça. Donc ouais, je vais passer aussi en QRT, enfin QRT je dis ça, mais bon, dans ma tête je crois même pas ce que je viens de dire, pour essayer de vaguer à d'autres occupations et rejoindre l'XYL qui doit être en train d'arriver ou pas loin d'arriver au QRA. Ok Rémi, voilà, ben, je te retarde par bus, juste pour te confirmer qu'en pleine nuit à 2-3 heures du matin, bien souvent on a le Brésil, on arrive à discuter avec le Brésil. Je te rassure sur un plan, hein. Moi je suis un simple civiste de base depuis 45 ans, mais qui a des tendances à être un peu pirate, c'est tout, hein. Ce qui fait que voilà, je fais des contacts, quoi. Allez, je te laisse, j'en dirai pas plus, à la prochaine. Ouais, en anglophone, ça s'appelle un hacker. J'ai sorti ma connerie, ça y est, c'est fait. Les 73, merci à toi. À plus. Salut, à plus. Thank you.
Donc, pour éviter ces coups là de qu'on entend dans le filtrage, c'est le mode VFO. Il faut passer en mode VFO. Alors c'est vrai que comme j'ai dit tout à l'heure, le mode VFO en fixe, c'est royal. Hein. Mais là, dans le mobile, ceux qui sont en mobile savent de quoi je parle. Il faut aller au plus simple. La sécurité d'abord. Et là, tac, voilà. Bon, là, je sais que je suis sur les zéros. C'est bon. Tac, voilà, ok. Ça bouge un peu sur la caméra. Hein. Ah, la Guyane. Nous aussi, c'est pareil, on entend. Non, non, j'écoute seulement, je suis en train de travailler en même temps, je peux prendre mon petit déjeuner en même temps, mais je ne suis pas sur le 540, je suis juste à l'écoute, hein. D'accord. Tain, j'allais breaker, mais je crois que je ne vais pas les embêter. Ah, je craque. Voilà, Marc.
tu m'en fais bonne continuation. Moi, je continue mon truc tranquille, je termine mon petit déj là. Ici, 11h08, bon, tardivement, parce que ce matin, bon, j'ai fait des trucs modernes. Bon, c'est vrai que j'ai pris un truc juste un petit peu en attendant le repas. 11h08 ici, on a une température de 30 degrés, hein, on a 30 degrés, 11h08 du matin. Et j'ai 31 à l'intérieur du push. Bon trafic, merci d'avoir répondu. Ciao. Les 73 de Rémy, le département de la Gironde. Ouais, j'ai la batterie qui est presque vide. Hein. Bon, c'est pas grave. Je décide là. Il y a dû y avoir une baisse de son. C'est chiant avec les vibrations de la caméra, ça fait baisser la sensibilité du micro. Allez, les 73, 51 tous, Dundee 33, 14, bravo Charlie, 33, 01 Rémi.
Les 73-51 de la planète Sibi francophone.